Détendez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. Il aura fallu attendre pas moins de 30 ans, les amis. 3 décennies pour oublier le fiasco du tout premier film des Super Mario Brothers. Ok, tu es encore sous le choc, hein, bien sûr. This is no game. Ah non, là, c'est tout sauf un jeu, mon petit bonhomme. Hein. Attention, hein, je te le dis. Hein. Je suis Bowser. Arrêtez le massacre. Ah, le live action peut faire des ravages, hein, croyez-moi. Je t'interdis de faire ça. Ce qui me donnerait presque envie de faire des épisodes spécial film nul. Ça vous dit ça ou pas? Non, parce que je peux me chauffer, je vous le dis tout de suite. Donnez-moi votre force! Voilà! Voilà! Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Heureusement pour nous, Nintendo a misé cette fois-ci sur de l'animation. Et on en demandait pas moins, finalement. Chargez! Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. On va voir combien de temps tu rigoleras encore dans un calipo à nez les colorants. Oui, il y a très peu de recherche et développement hein, sur ce personnage, oui, bien sûr. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera. J'en serais pas si sûr à ta place, l'ami. Tiens, qui voilà. Enfin un adversaire à ma taille. C'est vrai qu'on a la même taille, en fait. T'as pas remarqué? C'est tout pareil. Ouais. Laisse-moi deviner, tu veux aller frimer chez Peach avec ta super étoile, c'est ça? Oui. Je le savais, t'as pas changé, Godin. En fait, maintenant que j'y pense, ça fait quoi d'avoir un grand frère responsable d'un bide tellement énorme que Nintendo n'a plus osé adapter de licence depuis plus de 30 ans? 20 millions de dollars pour 48 de budget, j'ai préféré plus jamais le voir, tout simplement. En tout cas, avec tes 1,4 milliards au box-office, hein, t'es à l'abri, toi. C'est jamais trop pour choper Peach. T'as raison. D'ailleurs, tu seras d'autant plus fringant avec un VPN, l'ami. Laisse-moi t'expliquer. Tu me parles de ce qui me permet de surfer sur le net en total anonymat, c'est ça? Ouais. Qui m'évite de me faire hacker mes mots de passe ou mes coordonnées bancaires quand je consulte mon coffre-fort, c'est ça? Mais oui. Exactement, mon coin. Je continue d'évoquer les avantages de NordVPN comme si on discutait normalement ou tu prends le relais? Laisse-moi plutôt rappeler à nos amis français qu'en se connectant à un serveur belge, vous pouvez profiter gratuitement des meilleures courses automobiles du monde. Dommage qu'ils parlent pas de la branlée que j'ai mis à Mario sur la route arc-en-ciel. Toujours se méfier des bananes. Pareil pour Avatar 2, pas disponible en France, disponible en Belgique. S'il fallait attendre que le prix du Thalys baisse... J'aime bien, moi, la Belgique. Dommage qu'il y fait dégueulasse. Découvrez tous les avantages de NordVPN en utilisant mon lien en description pour profiter de la meilleure offre du moment. Et comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. A bientôt les amis. Le film commence donc avec Bowser, qui vient de s'emparer d'une super étoile capable de lui conférer des pouvoirs destructeurs. Autant vous dire que Mario ferait bien de débarquer au plus vite, hein, on attend que ça, sauf qu'à ce moment-là, Mario et Luigi, là, hein, c'est pas du tout les héros qu'on connaît tous, non, loin de là. Si votre évier est bouché, ouais, il faut vite nous contacter. Fatigué de payer trop cher votre plomberie? Mamma mia! Les mecs ont une vie bien réelle. Ils habitent à Brooklyn, ils viennent de se lancer un indépendant, ils viennent probablement d'obtenir un crédit à la banque qui leur mettra la corde au cou pendant plusieurs mois, voire quelques années. Oui, pour son intérêt, c'est coquet quand même, hein. Ah, va falloir en déboucher quelques-unes, hein, des toilettes, je vais pas vous mentir. Vous pouvez compter sur nous. It's me, la chasse d'eau. J'ai vu votre spot publicitaire, ouais. Un peu raciste, l'accent, mais ça va, c'est bon enfant. Eh oh, 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 on descend, d'accord? Sans moi, vous avez pas un bal, les amis. Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Faut mettre à l'abri, la maman, hein. Oui, merci, monsieur le banquier, vous ne le regretterez pas. Wouhou! Bon, allez, signez, je suis à deux doigts de tout annuler, là. Notre accent, c'est... C'est pas trop forcé? Trop forcé? Ma è perfetto! Wouhou! Non, c'est pas vrai! C'est Jumpman, mais si! Bah oui, en fait, c'est seulement dans Donkey Kong Junior qu'il a... Calme-toi, l'animal, tu veux? Ça me capte tout de suite. T'es qu'un gros nul, et tu le resteras toute ta vie. Il fait 3 fois ta taille! Tu peux pas passer ta vie à avoir peur. Tu pourrais être surpris. Y'a une ref, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça en fait dans Luigi Mansion? Il fait qu'avoir la frousse! C'est pour ça qu'il est toujours un cran, quoi! Merci. Le film est truffé de toute façon! C'était ta dernière intervention par contre, hein? Mais c'est dommage quand même de pas renseigner les gens là-dessus! C'est dommage! Comme je vous le disais, Mario est loin d'être le héros que tout le monde connaît. À ce moment-là, même sa famille le respecte pas, c'est pour vous dire. Mario, rassure-moi, cette publicité c'est un gag! Quoi? C'est de l'humour! Mais c'est de la merde! Papa, t'en penses quoi toi? J'en pense que t'as 40 ans! Et que tu vas quand même aller jouer à ta merde, là, ça me dégoûte. Merci, papa. Il serait temps que tu dégages. Mais une opportunité de percer dans le monde de la tuyauterie va bientôt se présenter pour nos deux frangins. Le métro de Brooklyn est à l'arrêt et les rues sont inondées. Une opportunité plutôt improbable. Restez pas reculés. Au secours, que quelqu'un sauve Brooklyn. La voilà, notre chance. Puisqu'il n'y a visiblement aucun homme compétent, hein, capable d'intervenir en cas d'inondation de la ville. J'ai réussi.
Oui, c'est un problème. Ils sont totalement à côté de la plaque. T'es sûr qu'on est équipé pour ce genre d'intervention? Oh, prends ta clé de 12 et ton tournevis, ça fera l'affaire. On est dans un dessin animé, après tout. La clé de 12, c'est celle que j'ai dans mon pantalon. Peggy 18. On dirait que personne n'a mis les pieds ici depuis des années. Luigi, tu es là? Bienvenue au paradis. Nos deux frangins débarquent ainsi dans un monde parallèle et connaissent tous les deux un destin foutu. Luigi débarque à deux pas de chez Bowser. Quant à Mario, il débarque dans le monde des champignons hallucinogènes accueilli par un petit aventurier un petit peu trop excité par ce nouveau visiteur. Je t'emmène voir la princesse. Tu viens Mario? C'est le début de notre grande... Waouh, je sais pas ce qu'il fait mais... Je veux en être. Wouhou! Tiens bon, Luigi. Et il trouve ça normal, le petit plombier, là. Hein, je veux dire, il est quand même accueilli par un champignon qui parle, sapé comme Aladdin. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Todd. Qui lui propose de l'emmener dans les montagnes sans aucune raison apparente, et il le suit, le gars, bien sûr. Quel est son parcours de vie à cet homme-là, je veux dire, à la base? Ça y est, on est arrivé. C'est sûr, c'est bizarre, le château est là. Pour faire apparaître la princesse, il faut d'abord couper le champignon. Tu veux quand même pas le fumer, ce champignon, rassure-moi. Si on dose bien, elle apparaîtra peut-être en pyjama. Allez, aide-moi. Ok, je te suis, comment on fait? Des deux, ça reste quand même Luigi le moins bien loti. Hein, il passe quand même à deux doigts d'un viol. Est-ce que je devrais pas la réouvrir pour vérifier que le loquet est bien solide? Hein? D'ailleurs, globalement, dans ce film, à part être en captivité, il sert pas à grand chose, hein, Luigi. Ah, l'ambiance est un petit peu différente, c'est sûr. Oui, c'est ce qu'on appelle un rôle ingrat, hein, bien sûr. De son côté, après avoir débouché la totalité des tuyaux du village, Mario s'en va donc déboulonner. J'aurais d'excellents arguments. Waouh, ok. Peach. Ça te fait marrer, hein, tes montages douteux. Ah, je dois dire que je me régale. C'est pas mon genre, il est trop petit. On l'aura remarqué, t'inquiète pas. Ce qui m'étonne, c'est que tu es tout petit. Ouais. Tu es vraiment, vraiment petit. De toute façon, là tout de suite, Peach, elle a autre chose à foutre. Bowser a volé la super étoile. S'il vient, c'est pour nous anéantir. Je l'empêcherai de s'en prendre à vous. Regardez-nous, on est adorables. Oui, mais enfin bon, si vous pouviez de temps en temps mettre la main à la pâte, je dis pas non, hein, mes pustules. Je pars demain matin pour le royaume de la jungle. Elle se rend tout simplement compte qu'en cas de besoin, elle a pas d'armée, la meuf. Nos vies sont entre vos mains. Mais oui, parce qu'on est aussi féroces que des dragibuses, hein. Du coup, elle espère pouvoir convaincre l'armée des Kong pour se joindre à elle, parce que là, pour défendre son royaume, c'est une plaie ouverte, hein, le truc, actuellement. Vous allez m'aider à retrouver mon frère. Ah, pointe pas du doigt, sale type. S'il vous plaît. Voilà, maintenant nettoie mon linge. Nettoie mon linge. Voyons ce que tu sais faire. Si tu finis ce parcours, tu viens avec moi. Démonstration. Quand je disais qu'elle avait autre chose à foutre, ça reste un monde cartoonesque, évidemment, hein. Pendant ce temps-là, Bowser, de son côté, dévoile à son armée son plan machiavélique pour dominer le monde. Préparez-vous pour le plus grand mariage de tous les temps. Oui, alors, le problème, c'est qu'il est vraiment très fan de Peach, hein, mais vraiment à un point, c'est malsain, quoi, hein, c'est-à-dire que... il veut la posséder, quoi, comme un objet, voilà, exactement. Mais moi, je risque pas ma vie pour que ce type se marie, en fait, hein, moi, je me suis marié il y a un an, j'ai pas demandé à tous mes cousins de prendre les armes, tu vois, je veux dire. Tu vas préparer la cérémonie. Désolé, hein, Buzz, mais il a raison, hein, c'est foutu, ce Buzz. Soyez mes témoins, bon sang. Donc, clairement, le Boog est têtu comme un âne, hein, personne peut l'arrêter. Peach, écoute-moi, fais-moi de toi ton esclave BDSM, Peach, 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 Peachounette, Peach, 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 Peachounette, baisse-moi les tétons. C'est donc lui, hein, votre prétendant, princesse. Fais-moi, oui, fais-moi. J'ai vomi. Intérieurement, mais j'ai vomi. De son côté, Mario se dirige donc vers la jungle, hein, en compagnie de Peach et Toad. Y'a plus de doute, il fume ses congénères. Salut Mario! Vous vous connaissez? On est meilleurs potes. Il m'a bien mené au château après m'avoir laté la gueule, mais... Ah, à part ça, je connais pas Varicelman, non? En route! Ouais, on va vivre une grande aventure! Tu sais, l'aventure est pas plus chouette en gueulant à tout va, hein? Les voilà donc en route vers le royaume des Kong, hein, qui n'est pas la porte à côté, à pied. Oui, décidément, elle dirige un royaume de bon à rien, hein, clairement une économie en berne.
donnez pas l'impression d'être d'ici. Je ne sais pas d'où je viens. Choukis, je suis enceinte. Ouais, mon fin dit, oh, y a déjà un demi-régiment ici, hein, les allocons, les uns, hein, Chou. Mais oui, mais on va faire quoi, Bado, Strotter, hein? On n'a pas le choix, hein. Allez, viens, on va dans les égouts de Brooklyn. Allez. Fais bon voyage, hein, petite. On est peut-être du même monde. L'univers qui nous entoure est gigantesque. Il doit arriver au royaume champignon un peu avant le coucher du soleil. Là où vous avez de la chance, c'est que je connais un raccourci. Comme ça, on le précède et on le prend en embuscade. C'est quand même dommage de ne pas avoir intégré les cartes, hein, parce que là, on est quand même à la fin du film, bientôt. C'est pour ça qu'il va nous falloir des cartes. Ah, ben c'est pas trop tôt, hein. Bon, ça va quand même coûter 3 paires de chaussures à nos amis pour la traversée du désert, l'aller. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Par contre, ils sont gentils, les singes, hein, mais autant Bowser travestit ses généraux pendant son temps libre, il est vrai. Nous y voilà. Voudriez-vous m'épouser? Oh, oui. Quoi? Enfilez une robe ou allez-vous-en. Autant le roi des Kong est pas le plus fin stratège du pays. À l'attaque! C'est une embuscade! D'ailleurs, ils nous font miroiter que le combat est serré. Alors qu'en fait, ils ont les moyens de faire péter Mario et Donkey Kong en un sandwich. Et d'arrêter tout le monde comme des enfants à la crèche. Dépêchez-vous, quittez la cité. Princesse. Attendez, vous n'avez pas bougé depuis une semaine, hein? Disons que nous ne savions pas trop quoi faire, au juste, hein. Y a rien pour nous ici, hein, y a rien, faut le savoir. Chacun d'entre nous est sans domicile fixe, je le rappelle. Voilà, voilà. Mais vous n'avez décidément aucune plus-value, c'est fou, ça. Oui, peut-être, peut-être, mais ne sommes-nous pas adorables, princesse? Princesse. C'est vrai que vous êtes mignon. Faut vous le laisser, c'est vrai. Tous, tous, tous. Sauf lui, là-bas. Ah, si mère, hein, princesse. Non, lui, il est bizarre. Comment ça, bizarre? Eh, j'espère bizarre, c'est un synonyme de cute. Parce que sinon, ça va pas le faire. Bon, allez, foutez-le moi dehors, celui-ci. Il va tout foutre en l'air. Bon, princesse, où en étions-nous? Sur de l'adorabilité, me semble-t-il. Bowser parvient tout de même alors à atteindre le royaume champignon. Et Peach se prépare au combat, hein, puisqu'en 2023, si ton héroïne ne fait pas au minimum du kung-fu, ça passe pas du tout. Non, ça passe pas, je suis désolé. Non, c'est quoi tes compétences? Elle nettoie, fait la vaisselle et chante à l'oreille des oiseaux. Ouais, d'accord. Est-ce qu'elle fait du brésilien jiu-jitsu par hasard, hein? Je suis pas sûr de l'attitude quand même, hein. C'est encore à travailler ça. Non, j'ai rien dit, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Voudriez-vous m'épouser? Je ne me marierai jamais avec vous! Ok, tu l'auras voulu. Neutralisez-moi le furoncle! D'accord, marions-nous, mais épargnez mes Todd! Oui, le kung-fu est bien là, oui, mais le mariage forcé aussi, apparemment. Je vais les sacrifier en votre honneur. Très chers amis, je n'épouserai jamais un monstre! Libéré! T'aurais pu peut-être sortir ce Joker une heure avant d'enfiler ta robe de mariée, je sais pas. Donkey Kong débarque pile à l'heure pour sauver leurs amis. Oui! Merci Donkey, c'était moi une. On s'en tire sain et sauf. Et Mario, quant à lui, empêche le royaume d'exploser. Rasez le royaume champignon! Mais au lieu de l'envoyer, je sais pas moi, dans une plaine, le désert peut-être, il se dit, tiens, dis donc, le petit tuyau là, qui sert de pont vers le monde réel, c'est pas mal ça, non? Hein? Du coup, tout ce petit monde débarque à Brooklyn sans choquer personne. Ça, c'est moi. Je voulais être charpentier à la base. Y compris Bowser. Mario! Et sans oublier la super étoile que Mario et Luigi vont s'empresser de choper, hein, pour en finir une bonne fois pour toutes avec Tortue Géniale. T'es prêt? T'es prêt à lui déboucher la tuyauterie? Ouais. À lui huiler ses gros boulons? C'est bizarre, mais... ouais. À lui, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Allons juste lui latter la gueule, en fait, hein. Et voilà comment Bowser finit en captivité déshonorante. Oh dodo, petit gars! Hey! Comment oses-tu avoir tant? Et que nos deux frangins décident d'abandonner toute réalité pour aller se réfugier au royaume des champis. Bonjour, salut!
Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas évidemment à toucher le pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Il fallait qu'il y passe, bien sûr. Vous le saviez pertinemment. Il fallait vous y préparer. Désolé. Merci évidemment à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez en description le lien vers la meilleure promotion du moment. Allez-y, foncez, c'est le moment. Et profitez-en. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Moi, je comprends pas. C'est super utile quand même ce truc. C'est quand même clair, non? Rendez-vous évidemment dans l'onglet communauté pour voter pour le prochain épisode. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.